Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus était en route. Deux aveugles le suivirent en criant « Prends pitié de nous, fils de David !» Quand il fut entré dans la maison, les aveugles s'approchèrent de lui, et Jésus leur dit « Croyez-vous que je peux faire cela ?» Ils lui répondirent « Oui, Seigneur !» Alors il leur toucha les yeux en disant « Que tout se passe pour vous selon votre foi. » Leurs yeux s'ouvrirent, et Jésus leur dit avec fermeté, « Attention, que personne ne le sache. » Mais, une fois sortis, ils parlèrent de lui dans toute la région. L'évangile d'aujourd'hui, en ce sixième jour de l'Avent, nous montre la belle foi de ces deux aveugles qui suivent Jésus dans l'obscurité avant de recevoir de lui la guérison. Mais on prête peut-être un peu moins attention à la fin de l'épisode. Alors que Jésus demande aux aveugles avec fermeté de ne rien dire, les deux hommes transgressent immédiatement et explicitement la consigne de Jésus en parlant de lui dans toute la région. Alors on voudrait peut-être les excuser en comprenant leur enthousiasme et en valorisant leur zèle missionnaire, mais c'est peut-être aller un peu vite. Les aveugles ont la foi, c'est indéniable, mais ils n'ont pas encore l'obéissance. Un peu plus tard à Jéricho, Jésus rencontrera deux autres aveugles qui, eux, accepteront effectivement et humblement de se mettre à la suite de Jésus sur le chemin qui les conduit à sa passion. Alors demandons aussi pour nous cette grâce que notre foi ne soit pas une simple adhésion à Jésus, mais une profonde obéissance, même si nous ne comprenons pas toujours bien ce que Jésus attend de nous. J'étais dans la nuit, dans la détresse et dans la mort. Du fond de l'abîme, j'ai crié vers toi, Seigneur. Tu m'as délivré, tu m'as guéri, tu m'as sauvé. Mon âme est en paix, car tu